28 septembre 2009, 28 septembre 2018, cela fait 9 ans que les victimes du massacre du stade de Conakry en Guinée attendent la tenue d'un procès pour situer les responsabilités dans cette affaire. Le ministère guinéen de la Justice a réaffirmé dans un communiqué son engagement à faire la lumière sur cette tragédie. Le ministère de la Justice salue le sérieux et le professionnalisme des juges d'instruction, l'apport de tous les partenaires et l'implication de la société civile pour leur effort constant et les exhorte à rester mobilisés pour accompagner l'institution judiciaire jusqu'à la fin de ce procès pour que justice soit faite et que les victimes obtiennent réparation. La société civile, notamment 5 organisations non gouvernementales, ont réclamé à l'État guinéen le respect de ses engagements sur l'organisation du procès. L'instruction du dossier a été clôturé depuis décembre 2017, mais la suite du processus est bloquée. Il faut donc très rapidement que le comité de pilotage qui est mis en place puisse élaborer un budget, n'est-ce pas, et fixer un calendrier, une feuille de route pour aller rapidement vers le procès. Les victimes et leurs familles doivent participer au procès. Elles doivent pouvoir être présentes au procès, voir les victimes, n'est-ce pas, témoigner des souffrances qu'elles ont subies et évidemment donner l'occasion également aux accusés de se défendre. En rappel, le 28 septembre 2009, la répression contre une manifestation de l'opposition contre la candidature de l'ex-président Moussa Dadis Camara à la présidence avait fait au moins 157 morts. Les militaires avaient également violé 109 femmes au cours de ces violences.